1, 2, 3. 1, 2, 3. Le voici, le voilà. Nous bretons, donc, fils d'Anaba, qui est nouveau donc dans la région pour cette saison monte. Un jeune étalon, hein, le breton, puisque ses premiers produits étaient yearling l'an dernier. Ils se sont très bien vendus. Et les acheteurs de ces yearlings ont dit beaucoup de bien les concernant. Il y a des yearlings qui sont partis pour plus de 20 000 euros, 25 000 euros, aussi bien à Arcana qu'à Osarus, lors des ventes de l'ATS, lors des ventes d'octobre à Deauville, lors des ventes de novembre également. Notamment Kirik Poussel, qui achète pour l'écurie Drost, qui a acheté plusieurs produits de loup breton, qui ont 2 ans maintenant, c'est le premier produit. Il nous vient du haras de Saint-Vincent, d'ailleurs, le haras de Saint-Vincent. Managé et géré et propriété de Thierry Dallalonga, qui est toujours copropriétaire de l'étalon, avec François Manon, entre autres, qui a également une partie de l'étalon. Un quart, il me semble. Donc, à fils d'Alaba et de Louvre, une superbe origine, Wildenstein. Et là, on a 2 200 euros, poulain vivant.